Les Globis, salam alaikum et bonjour à tous les pays francophones. On revient, James Cordez avec votre prochaine vidéo, une vidéo très très spéciale. D'abord, avant de commencer, je voudrais vraiment remercier tout le monde qui sont en train de me regarder pour tout le soutien durant cette année 2018. Je vais clôturer l'année 18 avec cette vidéo. Ça ne veut pas dire que je vais clôturer la chaîne parce que beaucoup de choses vont changer ici dans cette chaîne. Aussi, je voudrais remercier les personnes qui viennent tout juste de débarquer ici chez moi pour la première fois. Abonnez-vous, un j'aime serait super cool. Et on commence. J'ai eu l'idée de faire cette vidéo il y a 3 ou 4 jours. Et je me suis posé des questions. Je me pose tout le temps des questions. Vous me connaissez, les gens qui me suivent beaucoup savent que je me pose beaucoup de questions. Pourquoi? Parce que lorsque je commence à me poser des questions, j'ai la réponse. En quelque sorte, je ne me fous pas de ma gueule. Et la seule chose qui m'a vraiment donner beaucoup de sens et de logique, c'est de commencer à vraiment partager ce que je fais vraiment à l'intérieur ici avec vous pour vous aider et vous inspirer à évoluer dans votre vie. Pardon. La plupart de vous, je sais, galèrent et ils se demandent pourquoi ils sont en train de galérer. À la fin de la journée, la solution, ils l'ont. On galère parce qu'on a choisi de galérer. Donc, une chose que vous devriez faire, la plupart de vous, que je fais tout le temps, à la fin de la journée, stop. Stop. Arrêtez. Isolez-vous. Commencez à penser aux choses que vous avez fait durant la journée. Moi, c'est ce que je fais chaque jour. J'écris ce que j'ai fait durant la journée. Ma relation avec ma femme, mon enfant, mon business, mes voyages lorsque je viens, mes entraînements, comment je suis en train de réagir. Et c'est ce qui me permet de vraiment découvrir ma personnalité et vraiment découvrir, en quelque sorte, c'est une analyse personnelle. Je fais ça chaque jour. C'est ça la première des choses que je fais chaque jour. En plus de me réveiller chaque matin à 3h du matin, les gens me disent « tu es fou ». Il y a une raison derrière me réveiller à 3h du matin, c'est le moment où je peux vraiment, vraiment m'éduquer à vraiment devenir la personne que je veux devenir, c'est-à-dire réussir par rapport à ce que je suis en train de faire. Chacun de vous a un don. J'ai un don d'être un coach et faire les choses que je suis en train de faire. Vous avez un don de faire n'importe quoi dans votre vie. C'est à vous de le trouver, car vous l'avez. Et la raison pour laquelle vous n'arrivez pas à le trouver, c'est parce que la plupart de nous sommes perdus dans ce monde. Ils n'arrivent même pas à penser. Pourquoi on doit vraiment s'isoler? Parce que le temps passe vite. Et le temps ne revient jamais. Et le temps, il a plus de valeur que l'argent. L'argent part et revient. La santé part et revient. Mais le temps part et ne revient jamais. C'est pour ça qu'il est très très important. Ce que vous faites avec votre temps décidera votre bonheur dans la vie. Je le redis encore, ce que vous faites avec votre temps décidera votre bonheur dans la vie. Donc, ce que je vais faire, c'est vraiment partager, vraiment rentrer profondément par rapport à la musculation, la nutrition, mon développement personnel et le partager avec vous pour que vous puissiez vous réveiller. Car je sais que la plupart de vous galèrent en ce moment, je le sais. Mais lorsque vous prenez le temps de découvrir votre propre personnalité et vous isoler et commencer à penser, oh, là, la paix dans votre cœur va commencer à débarquer. Donc, les solutions. Objectifs, bien sûr. Commencez avec des objectifs parce que les objectifs vont décider ce que vous allez faire. Et ils vont vous donner une vision très, très claire. Écrivez ce que vous allez faire, des petits objectifs. Petit terme, long terme, ça c'est la première des choses à faire. Lorsque vous avez une vision qui est floue, vous n'allez jamais, jamais réussir. Et ce que je vais faire, vraiment ce que je vais faire, pour vraiment vous motiver, vous pouvez cliquer sur le lien qui est en bas. Ça c'est ce qu'on appelle un manifesto, un message qui va vous faire réveiller chaque matin lorsque vous ouvrez votre téléphone, que je vous encourage à ne pas vraiment, vraiment trop utiliser pour vous donner cette motivation. Et ça va vous donner aussi l'opportunité d'être dans ma liste d'emails pour découvrir les choses que je suis en train de faire ou préparer pour vous. La deuxième des choses, bien sûr,
pour les solutions, la discipline. La discipline va vous donner la confiance que vous voulez. La plupart des gens me demandent comment tu peux avoir cette confiance. C'est parce que je suis discipliné. J'arrête pas d'être encore plus discipliné. Le plus je suis discipliné, le plus j'ai plus de confiance parce que je suis prêt à faire les choses que je dois faire. Que ce soit dans les meetings que je fais avec les personnes que je dois faire, ou les compagnies, ou les entraînements, ou devant la caméra comme je suis en train de parler, parce que je suis prêt. Lorsqu'on n'est pas prêt, on n'a pas de confiance. Et lorsqu'on n'a pas de confiance, on est perdu. Mais regardez ce que j'ai fait ici. Discipline, liberté en rouge. Et après, vous avez l'ambition. Discipline, c'est la liberté. Je le redis encore. La discipline, c'est la liberté. Pourquoi? Lorsque vous avez... discipliné, vous pouvez arriver à faire toutes les choses dans la vie, même monétairement. Donc vous pouvez avoir la liberté de ne pas travailler, car monétairement, vous avez le temps de faire tout ce que vous allez faire, parce que vous avez les ching-ching, donc c'est la liberté. Et la plupart de vous, c'est ça, ils courent après l'argent. Jamais courir, jamais courir. C'est ce qui nous ramène à l'ambition et le succès. Vous courez jamais après le succès. Vous attirez le succès par devenir la personne que vous allez devenir. Travaillez en votre personne. Le jour où vous allez changer, tout changera pour vous. Si vous êtes en train de vous casser la tête contre un mur et vous n'arrivez pas à avancer, c'est parce que vous n'êtes pas en train de changer. Vous n'êtes pas en train de changer. La différence entre la personne qui est payée par moi et un job et la personne qui est en train de se faire un argent fou, c'est que la personne qui est en train de se faire payer par moi est en train de travailler un boulot. Il n'est pas en train de travailler sur elle-même. La personne qui est en train de se faire une fortune, comme vous voulez, elle est en train de travailler sur sa valeur humaine, sur elle-même. Le jour où vous changez, tout va changer pour vous. Maintenant, j'ai ces deux cases ici que vous êtes en train de voir. Dans la première, je vais écrire « valeur humaine », ce que j'ai dit maintenant. Et la deuxième, c'est votre philosophie de vie. Travaillez sur votre philosophie, c'est-à-dire comment vous allez approcher les choses, surveillez vos pensées et commencez à travailler sur ça. Lorsque vous commencez à vraiment développer une philosophie et travailler sur votre attitude, vous allez vraiment, vraiment avancer dans la vie. L'année prochaine, on va changer beaucoup de choses ici par rapport au contenu. Ça ne veut pas dire qu'on va enlever la musculation et la nutrition. Mais je veux vraiment, vraiment devenir plus en plus profond avec pour vous, vraiment vous changer. Pas juste par avoir des biceps et des triceps et avoir des six-packs, mais dans la tête là. Parce que lorsque vous commencez à changer là, tout le monde va débarquer ici. On n'en a rien à foutre à collectionner les abonnés. On ne collectionne pas les abonnés ici. Pour avoir 1 million d'abonnés et 990 000 sont perdus. On va avoir de la qualité et ça se voit dans les commentaires, ça se voit dans les j'aime, ça se voit qui sont en train de me suivre ici pour les bonnes raisons. Pour les bonnes raisons. Je ne suis pas ici pour collectionner, je suis ici pour inspirer les gens, pour changer dans leur vie. Si je fais ça, j'ai gagné. Et vous rigolez bien sûr. Bonne année, bonne santé, la prochaine vidéo sera dans la nouvelle an. Je gueule. Yallah. I'm feeling you.